Pour à France et Ville, le gouverneur du Haut-Togo est en tournée d'installation des nouveaux préfets. Il s'est rendu successivement à Ounga, à Boumi et à Okonja, le point de ces différentes étapes avec nos reporters Jacob Mukwangi et Aimé Joël Adjaï. Ounga, chef-lieu du département de la Djoué, le nouvel administrateur est arrivé. Fruit du Conseil des ministres en sa séance du 1er août 2019, Léon Ontila, c'est bien lui qui a désormais la lourde mission de relayer l'action gouvernementale dans cette région qu'Eric Ngunga quitte après 9 ans, 10 mois et 15 jours pour le département de Bahia-Bricolo à Boumi. À Okonja, c'est François Rompata, ancien locataire de la préfecture de l'Ekoko, qui a succédé à Michel Zoma. Rituel d'installation accompli par le gouverneur Elon Zondo. À tous ces hommes d'une expérience certaine, un petit rappel des règles de bon aloi était plus que nécessaire pour la bonne continuité de l'administration dans ces différentes localités. Mesdames et messieurs, l'administration a ceci de particulier, qu'elle demeure au-delà des hommes qui en incarnent les fonctions ou les postes. Mais je ne suis qu'un soldat au service du chef. Je ne suis qu'un fonctionnaire appelé à servir partout où le devoir m'appelle. On ne vient pas sur terre pour accompagner les autres, on vient marquer son passage. On ne vient pas occuper une fonction pour croiser les mains, on vient bouger les lignes. Car chacun de nous doit pouvoir écrire son histoire. Au-delà de l'expression de gratitude aux autorités de la République, en tête desquelles le président de la République, chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, les promis ont dit ne ménager aucun effort pour cette confiance. Ngoni, Lekoni, Bongoville, Bakumba, Mwanda et Munana font partie du calendrier de cette tournée d'installation de nouveaux personnels de commandement dans le Haut-Togo au sud-est du pays.